bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2, bien évidemment, la partie avec Claire Redfield, donc plus précisément l'épisode 3.5. Il était temps d'aller à l'hélicoptère. Il y avait Leon apparemment qui était en danger. Encore une fois, les premiers épisodes vont se ressembler. Mais après, les gars, comme on dit, qui se ressemble, ça semble. Phrase qui n'a rien à voir dans ce contexte. Et ça va très très vite changer. On est parti pour utiliser cette sublime clé de pique. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir l'acheter. Dans mes souvenirs, non, pas du tout. Il y aura encore une porte pour l'utiliser. Ah, ça c'est plutôt pas trop mal, ça c'est plutôt pas trop mal. Là on est à l'étage, en vrai les gars. Mais oui, mais j'étais bête. Il peut pas y avoir de zombies ici, parce qu'on est à un étage. Et ouais mon pote. Et ouais, pas con. Ça bosse ici les gars, ça bosse, ça bosse. On a, très bien, on a le bras qui était posé juste à côté, le bras qui était là au calme. Donc, on va, vous savez, on va le mettre, on va le mettre. Et on a même le livre, incroyable. Mais tout, mais en fait tout va aller très très vite en vrai. Waouh! Carte d'accès! Weapon Locker Keycard. Donc évidemment on va le prendre. Qu'est-ce qu'on a là? La pierre rouge. Le rubis qui captiva le prince Édouard de Woodstock. La perle que bute la reine de Nil. Le diamant qui mena une reine à la guillotine. Les histoires liées à l'attrait exercé par les pierres précieuses sont légion. Cette mystérieuse pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série. Comme les autres pierres, l'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle orna jadis la boîte à bijoux du noble et qu'elle fut même attribuée à un roi sage. Cet automne, cette pierre auréolée de mystère sera exposée à l'occasion des enchères. De nombreux passionnés devraient s'y bousculer. Mais, chers lecteurs, faites preuve de prudence, car le mal est tapi dans l'ombre de la beauté. Cette pierre est transformée des nobles soucieux de leurs sujets en des potes plus terribles que Caligula, et nos histoires le prouvent. C'est le sang versé par ces joyaux qui les rend si brillants et corrompent leur cœur de leur propriétaire. On a relu évidemment. Qu'est-ce qu'on a là? On avait quelque chose comme ça qui traînait un peu dans le quartier, si je puis me permettre. Non, on n'a rien. On n'a rien. Donc ça, c'est très intéressant. On a deux planches de bois. On a ici, mais on ne peut pas l'ouvrir. Eh, on va, voilà. Il faut l'actionner comme ça. Ça s'affichera sur la carte. C'est plutôt pas trop mal. Il y a Leon de l'autre côté. N'oubliez pas qu'une fois la scène de l'hélico enclenchée, normalement, bah, ça va créer une petite merdouillasse, si je peux me permettre cette expression. Donc, autant aller récupérer de suite le livre. Comme ça, on le met dans la main et on le met dans la statue. Et puis, on va y récupérer ce qui en sort. Et par la même occasion, pourquoi pas aller récupérer l'arme de l'armurerie? Ça me paraîtrait pas trop mal non plus. Je pense que là, clairement, on a un très bon move. Donc, c'est parti. On va récupérer de suite le livre qui est là, le livre rouge évidemment. Voilà, on a le bras que j'ai laissé derrière. On va aller on va aller à l'armurerie qui est ici. Elle est pas très très loin. Armurerie, réception. Oh, faut que je fasse tout le tour d'où Jésus. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, porte de pique. Oh, on est pas mal. Porte de pique, mais oui, mais c'est juste ici, incroyable. Plus personne n'y croyait. Donc là, par contre, on aura plus besoin de la clé normalement. Là, je crois que c'est vraiment la dernière fois pour le coup. Voilà, c'était sûr, c'était évident. Hop, on jette. Hop, non, j'ai dit, on jette. Et ça, c'est fait. On y va. Bonjour. T'es déjà venu de Paris. Ah. Ok. Vous êtes mort? Il a l'air mort. Il a l'air mort. Oh, c'était... Je l'avais pas vu. Welcome, Leon. Bienvenue, Léon, évidemment. Putain, c'est tellement mignon, mec. J'aimerais bien qu'on m'accueille comme ça, moi. Ça serait tellement... Ah, ça me ferait kiffer, je vais pas vous cacher. Hein. Donc, c'est parti. Ça, c'est fait. On va voir le lance-grenade. C'est plutôt pas trop mal. Hop. Weapon Locker. C'est fait. Vas-y, régale, bébé. Hein. Régale-moi. GM79, ce lance-grenade est capable de tirer des munitions incendiaires et acides. Et appuyer sur R1 pour changer le type. Ouais, bah attends. Ici, calmement. Et, ah putain, putain, par contre, il le donne, il est vide, frère. Hein. Il n'y a pas de... Rien. Ah, ça va être un par un. Ah, gameplay, va falloir s'y habituer. Ça va être une balle par une balle. Par contre, ça doit arracher, en vrai. Ça doit faire les mêmes dégâts qu'une grenade, je pense. Lui, il m'inquiète. Lui, je pense qu'il va se relever au bout d'un moment. J'avoue qu'il m'a un petit peu flippé. Ok, bouquin on a. On va pouvoir repartir là-haut.
Qu'est-ce qu'on a en trop? Là, on n'a rien en trop. On est très très bien. Donc, putain, Marvin, fais-moi pas peur. Donc, à cet étage, il peut rien avoir. À moins qu'il y ait des zombies volants, ce qui n'existe pas. Quoique, on sait jamais, ils peuvent l'inventer. Là, je pense qu'on est plutôt safe. On va enclencher la cinématique. On va voir un peu ce que Leon il dit. Ah, gros, Barbara, je suis dans la merde. Mais non, tu t'appelles Claire. Ça peut être un truc comme ça. Donc, on y va. On va récupérer notre sublime bijou. Qui est ici. Bon! Allez, ça on récupère, voilà, on combine, jusqu'ici, aucun problème. Putain, j'ai vraiment souvenir qu'avec Leon, on avait récupéré bien plus tard le combo, pas aussi vite. Ou alors, je sais plus trop, j'ai des doutes, le doute m'empresse. Ça c'est beau, c'est très beau bâton là qu'on a là, hein. C'est très très beau bijou. Hein. Sceptre, c'est fait, vu que ça me stresse de voir la gueule du sceptre comme ça, on va, hop, l'enclencher maintenant. Comme ça, on récupère le joyau rouge. Et on va pouvoir y aller. Il n'y a vraiment rien ici? Bon, normalement, on est bon. C'est parti. Direction l'hélico. Et on va voir un petit peu. J'ai des souvenirs. Vous inquiétez pas. J'avais oublié qu'il se crachait comme ça en direct. Ok. Ouais, ça, c'est pas bon, ça. Hein. C'est rarement bon signe. Une plante, ça, c'est cool. Ça, par contre, c'est très bon signe. Une plante. Ok. Hey! Claire! Je t'aime! Léon! J'arrive tout de suite! Mais merde! Léon! Faudrait qu'on arrête de se voir comme ça. Tout va bien? L'hélicoptère, il a surgi de nulle part. Ouais, ça va. Je suppose que t'as pas la clé? Non, je l'ai pas. Mais je suis contente de te revoir. Tu tiens le coup? Bah, on fait aller. Sacrée nuit, hein. Ouais. Et ton frère? J'ai appris qu'en fait, il... Moi qui pensais que ça pouvait pas être pire. Léon, tu ferais mieux de partir. T'inquiète pas pour moi. Essaie de te mettre à l'abri. Léon, je plaisante pas. La clôture va pas tenir. Vite, va-t'en. On s'en sortira. Tous les deux. C'est tellement mignon, putain. Bon, on a des zombies. Hop, ça on prend direct. Ça craint ici. Il y a des zombies partout. Hop, ça on prend direct, les gars. Marvin? Marvin, vous êtes là? Marvin? Bon, Marvin pour répondre, hein, quand même. Hein. Ok, c'est parti. À partir de là, je me souviens plus de grand chose. Le début, vu qu'on l'avait fait trois fois. Bonjour. Ah oui, c'est un sacré carnage. C'était moi, en fait, qui a fait tout ce carnage. Ok, ici, on a quelque chose aussi. Là, ça craint un petit peu, les gars. Ça craint un petit peu. Pourquoi? Tout simplement... Attends, ça, on va le combiner. Hop. Voilà. Putain, j'aurais dû poser le joyau. On en est où, là? Ah, le bureau est. Oh, damn. Oh, non. Non. Attends. Faut pas tomber de là, monsieur. Ok, j'ai paniqué. Hein. Ok, j'ai paniqué. Voilà. Jusqu'ici, normalement, ça devrait le faire. Fais chier, putain. M'enculer mes balles gratuitement, celui-ci. Hein. Bon, très bien, on a un nouveau bureau. Bonjour. Ok. Voilà, ferme-la. Normalement là, ça me passe pas. Ok, j'ai eu peur. Ah! Ok. Oh. 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 Il a filé. Il a accéléré. Monsieur? Ok. Ok. Et on y va. Et on cut. Et on cut. Et on cut. Cut. On cut. C'est bon. Ok, très bien. Oh, il avait 10 balles sur lui, ça c'est plutôt la régalade. Il est vraiment mort. T'es sûr? Arrête d'être débile, toi. Chiant.
Qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, grenade. Ouais. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui est ça encore. Parce que c'est un petit peu la merde. Ok, on a quoi là? Ah ouais, les gars. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça, on libère la porte, histoire qu'on puisse naviguer comme un colis. Comme disait Booba, on adore Booba évidemment. On a quoi ici? Oui, non, mais les gars. Ok. On a quoi? Oh bah non, mais les gars. Fais chier, putain. Non, mais les gars. C'est pas vrai. Hop, rien à foutre, hein. Je fais des trucs acides. Rien à branler. Oh, c'est pas vrai. On s'en va. Ça m'est où ça déjà? Bonjour. Ah. Ok, très bien, je vois. Ici. Oh non. Si, c'est bon, je peux. Oh non, je peux plus passer en dessous. Oh non, catastrophe. À moins de faire tout le tour. Oh non, c'est chiant. Et on a la manivelle. Ah, mais là, je suis totalement, littéralement bloqué. Il faut que je vide, quoi qu'il arrive, un espace. Mince. C'est ennuyant. C'est ennuyant. Très bien. En vrai, ça, les gars. Jeter. Je suis désolé, petite grenade. Tu me seras utile bien plus tard. Pour le moment, ça ne sert à rien. Ok, composant. C'est fait. Voilà. Totalement oublié ceci. On est reparti. Manivelle. On prend. Aucun problème. Voilà. On l'équipe ici. Et c'est pas terminé. Je vais faire. Attendez. Je vais faire ceci. Et je vais faire. Non, attendez. Voilà. J'aime bien quand tu vois tout est aligné, tout est propre, tout est beau. Ok, c'est le forceur en soirée. Il y avait rien là. Quoi? Oh putain, le con. Ouais, je disais, il y avait rien à lire. On va faire le tour du bureau, on sait jamais si on peut gratter des infos. Il y avait rien, très bien. Bon, On a quoi? Attendez, je perds la mémoire. Là, on avait une plante, on va la récupérer, c'est pas un problème. Là, on avait quelque chose par ici, la salle du gardien. Ah non, ça, on l'ouvrira plus tard, c'est là où le gardien s'était barré. Ok, on a porte verrouillée. On a une chaîne ici, pas mal. On a une chaîne. On va ranger le joyau, parce que je crois qu'on va pas l'utiliser. Poc. Ça, on dépose. Pas sûr d'en avoir besoin maintenant. Et manivelle. Ça, c'est très chiant. Les gars, niveau place, on va jouer sur le fil du rasoir, si je puis me permettre. On avait oublié quoi? On avait oublié qu'une plante. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher? Allez, on y va. Vraiment juste à côté, pour le coup. Ça ne mange pas de pain. Pas de soucis. Et j'étais pas revenu. J'ai souvenir que j'étais pas resté très longtemps ici. Hop, ça s'est fait. J'étais vraiment pas resté très longtemps. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'avec Lyon, on n'avait pas l'occasion de revenir dans cette pièce, tu vois. Là, genre là, je suis resté bien plus longtemps déjà dans cette pièce qu'avec Lyon. Ok, y a rien. Par contre, j'ai beaucoup moins de code de casier. Peut-être que je devrais refaire l'effort de lire les fichiers textes, parce que ça me paraît bizarre. Très bien. Bon, ça, les gars, c'est fait. On va reposer ça là. On va où maintenant? On a de quoi couper, on a quoi? On a un coffre, mais on n'a toujours pas le code. On n'a pas la touche, donc pour ici, tout est fait. On a cette pièce, on a les archives avec une porte bloquée et ici une porte verrouillée. Par contre, ici, on a une chaîne et ça, c'est plutôt cool. Je le dis à l'anglaise parce que j'adore. Donc, on y va. Pas besoin de save. Attends. Eh oui, mais oui. Il n'y a pas de fusil à pompe, avec clair. Eh ouais, mon pote. Donc, franchement, les leakers... Je sais pas comment ça va se passer, mais ça risque d'être assez terrible. Ok. Alors, on va où? Ok, on continue. Toujours salle des archives. Oh! Oh! Attends. Ok, monsieur. Ok. C'est bon? Ah! Oh putain! Ok.
Quoi ? Fais chier ! C'est bon ? Merde. Ok, il y a lui là. Oh le délire. Il est tellement fort. Ok, il est mort. Cette porte, cette fenêtre des enfers. Oh non, ah, j'ai plus rien, catastrophe. On court tout droit à notre perte. Ok, très bien. Ah oui, c'était la salle des douches. Ah ouais, non. Non, non, non. Oh non. Non. Ah. Boum. Dans le thorax. Oh. Oh non, mais je me suis... Je me souviens pas de tout ça, moi. Allez, meurs. Mais meurs. Oh. T'abuses. J'ai déjà... Putain, mais... C'est... Ok. Ferme-la. Madame ? La bulle, la bulle ! J'ai déjà plus de balles ! Mon cul qu'on est bien, ouais ! Ok. Ah ouais, ouais. Eh, hey, Nick, Nick. Je suis où, là ? Ok. Allez. Terrible, hein. C'est terrible, hein. Ok, la pince. Non, 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 non. La pince, c'est fait. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? Appareil électronique. Ben oui, pour le C4. Mais oui, c'est clair. CAD, locker room. Très bien. Dans la locker room. Oh, pas mal ça. Ça, par contre. Ça, mon frérot, on va y penser. Ça, on ouvre au calme. Ça, on prend aussi. Locker room, on est où? Salle des casiers, c'est là, je crois, non? CAD, ben non. La locker room, c'est dans les douches. Non, pour moi, la locker room, c'est la salle des casiers. Salle d'attente, trou de manivelle. Ok. Il se passe beaucoup de choses, les gars. Cric. Ok. CAD. Qu'est-ce qu'on a là? Ah merde! Oh non, catastrophe. Locker room CAD. C'était pas ici qu'on trouvait en plus ce mot de passe, il me semble, avec Leon. Très très bien. Bon. Locker room, pour moi, c'est là. Il n'y a pas de casier. Il n'y a pas de casier. Non, 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 non. Ici, c'est. Non, c'était pas là. C'était pas là. Je divague, je divague. Ok, c'était pas du tout là. C'était à la douche, je pense. Et vu qu'on doit y aller, ça tombe très très bien. On y va. Il y a le monsieur là-haut. Locker room. J'ai rien à faire. C'est terrible, hein. On a perdu beaucoup de balles. Je suis partagé. J'ai un petit peu le démon, je vais pas vous mentir. L'impression que... Ah, fait chier. On a eu la même impression avec le premier let's play. Je vous ai dit, vous verrez. On a vraiment l'impression d'être méga chaud. Et en fait, mes couilles sur vos fronts, rien du tout. Que nenni. On n'est pas chaud du tout. Ok. Bougez pas les gars, je vais repartir en arrière. Je vais verrouiller la fenêtre des enfers là. Il y en a deux mais c'est pas grave, faut le faire de toute façon parce que là c'est terrible. Hop. Qu'est-ce que je fous là moi? Hop. Qu'est-ce que je fous là moi? C'est pas vrai. C'était là. C'était là. Ensuite c'était par ici. Je commence à mémoriser tout cela. Ah wesh. Putain. Ok. Hop, ça dégage. C'était là. Oh la vache. On s'en va. Allez, salut mon pote. Ils sont juste venus, genre en mode. Zombie débile. Ok, on passe par là. Très très bien. Ok, là je commence à plus être rassuré, je vais être très honnête avec vous, je vais être très franc, je suis plus trop rassuré les gars, ok?
Là, on fait pas trop les marioles. Attends. Locker room, il y a moyen que ce soit là. Hein. Locker room. C'est là. Il n'y a rien là, les gars. Catastrophe, catastrophe. Ok, c'est par ici. J'ai la manivelle. C'est trop bon signe. Locker room, c'est où, c'est où? C'était là. C'est CAD. CAD. Ah, alors? Ah non, c'était cap. Voilà. Ok. Merci, monsieur. Ça, on ouvre. On va pouvoir tourner. Et je pense... Ouais, voilà, ça libère une place. N'oubliez pas qu'il y a de quoi aller à l'étage. Aussi. Ok. Là, on n'a rien. Les gars, c'est une balle de perdu, mais c'est une balle quand même. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? De la poudre. C'est bien, ça. De la poudre de perlimpinpin. J'adore. Ok, là, on n'a rien. Oh non. Oh non. Porte verrouillée. C'est pas grave. Oh putain. Vous l'avez vu. Oh la vache. M'en vise. Tête de merde. Ok. Ok. Ok, c'est bon, il est mort, il est mort. Mon cul. Je rigole. Non, non. Et c'est la sueur, la sueur. Vas-y, la sueur. Alors, on est mort comme une merde. C'est terrible. Deux cartouches incendiaires. J'en ai niqué trois. It's terrible. Ok, on va passer là. Ok, très bien, on a quelque chose ici. Non, c'est terrible. J'ai le démon. Ok, ça c'est pas mal. On prend... je commence à avoir beaucoup de choses là quand même, non? Attends, qui se fait un café là? Ah. Ok. Je suis dégoûté. Bureau des stores. Cette fois-ci, on va pas oublier. On va le fouiller. Qu'est-ce qu'on a là? D'ivoire, d'ivoire. Une pile. Oh non. Ok. Combiné. Voilà. Maintenant, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à ce que je prenne. Note interne, 22 septembre 1998. Avis de transfert de matériel. Coffre à trois chiffres résistant à la chaleur. Déplacé du bureau des Stars au bureau ouest. Au premier étage, d'accord? Donc là, on est au deuxième étage. Combinaison. Gauche 9, 15, ok. Il est au bureau ouest du premier étage. Très très bien, premier étage. Il est là, bureau ouest, tout simplement. Il est ici, il va falloir qu'on y retourne. Et on va y retourner, bien évidemment, avec volupté et grand délice. Voilà, si je puis me permettre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On récupère un petit peu de... Voilà, les gars, il n'y a rien à faire. Hein. On n'a pas hein. L'armurerie. Que dalle, voilà. Mes couilles, c'est fail. Et ça, c'est terrible. On a le PC pour la clé USB. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, un Uzi. Un Uzi, je dirais même. Ok, on va utiliser le PC pour faire genre... Voilà. Super, ça ne sert à rien, évidemment. Oh, ça, on prend. Voilà. Très, très bien, ça. Cette fois-ci, j'ai bien fouillé la pièce. Et c'est plutôt cool. Eh, en vrai, les gars, oh, putain, j'ai que 4 balles. Non, 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 no joke, rien du tout. Ok, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Buanderie, les gars. Hein. Buanderie, buanderie. Hein. J'ai 4 balles, hein. 4 balles.
Et après, faut que j'aille faire péter le truc là-haut, là. What? Je peux ouvrir ici? Non, mais attends, ouais, c'est pas le même ordre, là. Ah, ça me ramène au salon qui mène à la bibliothèque. C'est pas mal, ça me plaît. Ah, je peux rien ouvrir ici. Bon! On y va. On passe par ici. Je suis plus safe parce que là, le couloir plein de sang, les gars, c'est pas fait, ces conneries. C'est parti! On se casse! Terrible. Est-ce que j'ai la note? Oui, j'ai la note. Pour le coffre, parce que j'ai totalement déjà oublié. On va aller au bureau ouest. On va aller vider un petit peu son inventaire. Les gars, il faut quoi pour tuer un leaker, sérieux? 2 munitions de lance-greux, c'est fait. Quelques balles. Ça va pas le faire, les gars, là où on va mettre l'explosif, hein. Parce qu'il y avait un leaker, ça, de tête, hein. Incroyable. Ok. Poudre, on dépose. En vrai, on peut prendre... hop. Ça, on dépose. Ça, on va combiner avec ça. Ok. Bah écoutez, on a 4 places. C'est plutôt pas trop mal. On va au bureau ouest. Il est où? Il est là. On va faire le coffre. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, pour être très honnête avec vous. Et après, peut-être mettre fin à l'épisode et direction la suite de notre aventure incroyable. Sans oublier que le coffre s'est inversé. Risque déjà d'être une galère. Gauche 9. 9, 15, 7. Allez, go. En commençant par la gauche. 9. C'est fait. 15 et 7. Ok. J'ai l'impression que gros, il était même pas verrouillé. Oh! Je prends, mon pote. Et ça, et j'achète, mon gars. Ça, c'est évident. Bien sûr qu'on prend. Waouh! J'ai l'impression qu'on a avancé vite. Mais pas vraiment. Et j'ai pas souvenir qu'on ait fait dans cet ordre précis les pièces. Mais pourquoi pas? Alors, j'ai le détonateur. Le détonateur, il va me permettre quoi? Il va me permettre d'aller à l'étage. Voilà. Et de tout faire péter. Hein, rien à foutre. En prison, là. Dans la prison, là. Salle de stockage. Oh, ouais, mon père. Ok, ça, faudra que j'y retourne. En plus, il y a une petite poutre des familles. On a un cadenas. Il va me permettre de tout faire péter pour récupérer le troisième médaillon qui va déjà me permettre d'aller dans les égouts. Et ça, bah les gars, ça on va le voir à épisode 4, j'ai envie de vous dire. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Moi en tout cas, bah écoutez, il m'a plu. Je vais être très honnête avec vous, il m'a plu. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 avec Claire. À dans 2 jours. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.